Bonjour à tous. Je vais mettre ma casquette de naturopathie aujourd'hui et pour vous parler du rôle qu'on a à jouer sur notre immunité. C'est un sujet qu'on aborde pas mal depuis quelque temps, mais je trouve qu'on ne l'a pas abordé suffisamment, on n'a pas donné suffisamment de clés aux personnes on les a pas informées sur le fait que du rôle que chacun a joué sur son système immunitaire. Parce qu'on est tous responsables de la façon dont on vit et de ce qu'on va mettre dans notre assiette, par exemple, et qui est quand même essentiel dans le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Donc voilà, je vais vous donner 10 aliments. Un peu clé, un peu essentiel, mais après il y en a plein. Et puis c'est toujours la diversité qui va avoir un rôle important dans l'alimentation. Et avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre présence ici, vous remercier pour votre fidélité et n'hésitez pas donc toujours à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne parce que vraiment c'est très utile pour le référencement et moi ça me motive pour continuer. Et puis aussi c'est juste de savoir que ce que je fais et ce que je poste là, ça intéresse, ça peut, ne serait-ce que si ça apporte l'information à une personne, c'est déjà énorme. Donc voilà, donc je voulais vous remercier sincèrement. Donc, revenons aux aliments qui vont renforcer le système immunitaire. Là, dans la vidéo, je vais être assez succincte. Après, je vous mettrai, pas tout de suite parce que je ne suis pas complètement prête, mais dans quelques jours, demain, je pense, un petit document à télécharger. Dans ce petit document, je vous mettrai de manière un peu plus détaillée tout ce dont je vais vous parler ici, et puis un peu plus, en fait, vraiment quelques clés qui me paraissent essentielles et qui sont vraiment pas compliquées à mettre en place. Donc, au sujet de l'alimentation, bien déjà, on va parler des légumes, d'avoir une alimentation végétale de plus en plus, avec des légumes crus et cuits, favoriser les jus de légumes, bien entendu. Et tous les légumes, utilisez les légumes de saison de votre région, vraiment ce que vous allez au marché et vous voyez ce qu'on vous propose. Et chaque saison, vous variez, vraiment la variété, la diversité des légumes de producteurs. L'idéal, c'est que ça soit bio ou en raisonné. Aussi les fruits, vraiment. Manger de plus en plus de fruits, si c'est possible pour vous, en dehors des repas. Le matin, en plus, on arrive au printemps et l'été, c'est vraiment plus facile de mettre ce genre d'alimentation en place dans les saisons d'été. Il fait plus chaud et c'est plus propice à ça. Donc, le matin, faites-vous un bol de fruits, un miam aux fruits. Vous avez la recette dans le guide détox, il me semble, peut-être même dans la revitalisation, non, pas dans la revitalisation, dans le guide détox. Le miam aux fruits, c'est vraiment exceptionnel et puis c'est très nutritif. Donc, les légumes, les fruits. Ensuite, vous avez le gingembre et le curcuma, qui sont vraiment deux aliments qui vont être antioxydants, anti-inflammatoires. Antibactériens, antiviral, vraiment, qui ont des propriétés magnifiques pour soutenir le système immunitaire. Donc, vous pouvez les mettre dans vos jus de légumes, mais aussi les cuisiner, les mettre dans vos plats aussi, de manière régulière. Les graines germées, j'en ai déjà parlé souvent, mais les graines germées sont des bombes de vitamines, de minéraux. Donc, c'est vraiment un aliment. Pareil à intégrer, à mettre en place facilement. Vous pouvez faire germer toutes sortes de graines. Vous avez vraiment l'embryon de la graine et c'est vraiment plein, plein, plein de nutriments. Et en particulier, le fenugrec qui va être vraiment un allié du système immunitaire. Donc, faites germer des graines de fenugrec. Peut-être vous les ferez
qu'en période courte parce que ça va stimuler les monctoires du rein et de la peau. Donc vous pouvez transpirer, il peut y avoir des odeurs un peu peut-être qui vont être désagréables, enfin désagréables, il ne faut pas exagérer non plus, mais qui peuvent vous incommoder. Donc faites-le en cure. L'ail aussi, c'est vraiment un aliment magique, antibactérien, antifongique, antiviral, avec des propriétés exceptionnelles. Le thé vert, il est antioxydant, il est vraiment protecteur. Il va protéger le corps en profondeur. Qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? Dans les super aliments, il y a la spiruline qui est assez magique, qui est pleine de nutriments, riche en protéines végétales et qui va nettoyer les cellules. Elle est aussi antioxydante et elle va purifier l'organisme. Donc, c'est vraiment un aliment à intégrer aussi le plus régulièrement possible. Sur vos salades, dans vos jus, etc. Et les aliments lactofermentés. Donc, vous pouvez les faire vous-même, ou vous pouvez les acheter. Vous pouvez en manger qu'une petite quantité, ou alors après, vous pouvez faire le kéfir. Vous avez la recette du kéfir dans le guide détox. Mais vous pouvez la trouver sur Internet, si vous cherchez dans plein d'endroits. Et les aliments lactofermentés, ils vont améliorer toute la zone intestinale et ils ont vraiment un rôle très important dans l'immunité. Donc voilà, ces 10 aliments que j'ai retenus qui sont vraiment utiles. Après, j'aurais pu en citer d'autres ou rentrer un peu plus dans le détail dans les légumes et dans les fruits. Dans les fruits, vous avez la grenade aussi. Mais bon, c'en est une parmi tant d'autres. Et vous pouvez utiliser aussi les aromates, plein d'aromates. Là, vous pouvez planter sur votre balcon ou dans votre jardin toutes sortes d'aromates. Parce que vraiment, ça, c'est des mines aussi de vitamines. Le persil contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamine C. Presque plus que les agrumes, il me semble. Donc, vraiment, ça, pareil, à ajouter dans vos jus régulièrement. Quelque chose d'important aussi pour bénéficier des nutriments des légumes, c'est de les cuire à la vapeur douce ou vraiment de manière à l'étouffer, mais vraiment pas des cuissons trop fortes parce que là vous allez tuer tous les bénéfices, tout ce qui va nourrir votre organisme. Et après, il y a différentes choses à mettre en place aussi dans le quotidien qui sont évidentes, essentielles, mais qui vont vraiment avoir un rôle important. Pour votre système immunitaire, comme par exemple de se mettre au soleil quand c'est possible, mais dès que c'est possible, plutôt le soleil du matin, mais déjà pour votre vitamine D, pour faire le plein de vitamine D. Et donc dès que c'est possible, au printemps, mais même l'hiver, hein, dès qu'il y a un rayon de soleil. Donc voilà, je vous apporte plus de précisions dans le petit guide que je vais vous mettre en lien sous la vidéo d'ici demain. Et en attendant, je vous remercie encore de votre présence, de votre fidélité, de vos encouragements et je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite une belle santé. Profitez vraiment de cette belle saison pour faire le plein d'énergie et pour vous reposer, pour être en contact avec la nature. Allez vous promener, allez vous balader, mais faites vraiment le plein d'énergie dans cette période. Et n'oubliez pas de m'envoyer un petit mot, ça me fait toujours plaisir, et de vous abonner pour les encouragements. À très bientôt. Ciao.